Le géant de Provence. Le mont Chauve. Voici la deuxième partie de ce mont Ventoux. Le mont Ventoux. L'une des montagnes les plus éprouvantes et peut-être les plus emblématiques du cyclisme. Le mont Ventoux est le théâtre de l'héroïsme et des drames du Tour de France depuis des décennies. Qui se présente comme un paysage lunaire. Avec des vents violents et des pentes raides jusqu'au sommet, ce Goliath représente le défi ultime de Mère Nature pour tous les cyclistes. En 2021, le peloton du Tour de France gravira la montée deux fois dans la même journée, pour la première fois de son histoire. Richard Durand remporte l'étape du Ventoux. Je suis Florian Chabal. Et moi, je suis Loïc Chétou, présentateur de GCN en français. Pour ce film, nous allons tenter de gravir la montagne, non pas deux, mais trois fois dans la même journée, en luttant contre les éléments pour tenter de rejoindre le célèbre club des cinglés du monde. Le Ventoux, pour tous les cyclistes, c'est une montagne qui est iconique, qui fait partie de l'histoire du cyclisme en compétition et de l'histoire du cyclotourisme aussi, qui en général propose des conditions assez épiques et réputées pour le vent. C'est un mont particulier, voilà, des kilomètres à n'en plus finir, des pourcentages à n'en plus finir, avec un mont totalement pelé, sans arbres, donc vraiment c'est ce qui fait sa particularité. Allez, impeccable. Rien, au boulot. Rien à bouger. Ouais, parce que j'ai encore chargé, quoi. Comme d'hab. Et après, les gens s'étonnent que ce soit moi qui fasse les tutos mécaniques. Tu sais ce qui est jeune et qui attend. Le club s'est fixé un ensemble de règles simples pour le défi. Chaque participant doit commencer et terminer sa course au même endroit, soit à Bédouin, Sceaux ou Malocène. Le coureur a ensuite jusqu'à 24 heures pour effectuer les trois différentes ascensions et descentes et doit obtenir des tampons de magasins ou cafés en haut et en bas de la montagne pour prouver son effort. Du coup, t'as compris, on va commencer par Bédouin, donc ici en face de l'hôtel, direction le Mont Ventoux une première fois. Ce sera une première pour toi comme pour moi d'ailleurs. Mais on va pas s'arrêter là, on va redescendre côté Malocène. Après Malocène, on remonte, parce que ce serait trop facile sinon. On redescend à Sault et on remonte une troisième fois le Ventoux pour terminer par la descente côté Bédouin. Et en l'occurrence, demain, non seulement ils annoncent la pluie, mais peut-être même la neige. Ouais, ressenti 3,8 là. Oui, 3,8 actuellement. Mais demain matin, c'est plutôt moins 6,8. Est-ce que là tu te rends compte un peu plus du dénivelé déjà ou pas? Ça va. Ah non, ça monte à 2000 quand même. Non, ça va pas en fait. Tu me rappelleras de ne pas répondre au téléphone la prochaine fois que tu as des trucs à me proposer comme ça. C'est plus de 5000 mètres de D+ sur le défi des cinglés sur 135 km. On s'occupe un peu de la partie ravito et de ce qu'on va manger ce soir? Ouais, enfin, comme d'hab, pâte au pesto. Ou burger, je vais te proposer. C'est vrai. Ouais, mais il faut des hydrates de carbone, donc on va dire pâte au pesto. Moi, j'ai envie de dire, vu ce qui nous attend demain, on pourrait faire les deux. Oh putain, tu m'as chauffé. Allez, vas-y. Ah, tiens, Juju. Attends. Bouge pas. Ouais, Vlad, dis pas qu'est-ce que je t'aime. Donc ça, c'est Juliette, pour celles et ceux qui la connaîtraient pas. Et heureusement qu'elle est là, parce que c'est elle qui va nous aider pour tout ce qui est ravito et aussi assistance éventuellement en cas de problème mécanique ou besoin d'une petite laine, ce qui risque d'arriver. Merci en tout cas, Juliette. Merci, Juliette. Avec plaisir. Donc, à voir ensemble ce qui vous manque en frais. Jambon Saint-Moray pour faire des sandwichs. Donc, on a de quoi déjà faire des petits sandwichs pain au lait. Et on oublie la boisson, Flo. Ouais. Ah. Je crois que là, on va en avoir assez. Comme ça. Le plein de glucides quand même pour... Comme il dit Loïc, l'eau, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en boire, mais là, comme ça, elle sera un peu agrémentée. Non, l'eau, ça ne sert à rien, c'est vrai. Juju, regarde, je t'offre un petit cœur pour te remercier. Flo, je t'offre un crocodile pour te remercier. Et moi, je me casse.
Donc on avait prévu un petit déjeuner à 6h, en se disant que le lever du soleil était à 6h30. On a finalement déjeuné assez léger le matin, même si la traditionnelle chocolatine est passée quand même. Mais on avait quand même bien chargé les apports la veille pour prévoir un petit peu. On s'était dit un départ à 7h. Finalement, on a traîné un petit peu, on est plutôt parti sur les coups de 7h30. Est-ce que t'as mis ta ceinture cardio ? Bien sûr. Nickel. Tu me prends vraiment pour un amateur ? Non, je te prends pour un ancien pro qui a besoin d'être babysité. Pour le défi des cinglés, on a choisi évidemment le top du matériel qu'on avait à disposition. Et je dois dire qu'on a énormément de chance parce qu'on a quand même des vélos très performants. Petit détail, mais aujourd'hui, vu qu'on est parti pour faire de la montagne, on a décidé d'enlever un porte-bidon. Déjà qu'on va porter les micros en plus. On va essayer de s'alléger un minimum et on va profiter de notre seul avantage qui est celui d'avoir une assistance. Bon, du coup, j'ai choisi d'utiliser mon Colnago, frein traditionnel à patin, une fois n'est pas coutume. Ben, pour raison simple, le poids. Et voilà, les magnifiques roues Corima MCC, parfaites pour la montagne. Donc on va voir, hein, j'ai pas d'excuses. Si ça avance pas, ce sera les jambes. On va bien se marrer. Hein. Alors, qui c'est qui va pleurer le premier, surtout? Comme Zizou, hein. Chaussure gauche en premier. Voilà, là t'es prêt à gravir des montagnes. Bon bah voilà, on y est, hein. On va aller faire du vélo dans la montagne, le Mont Ventoux, première fois. Bon, je t'avoue que moi je suis pas très inquiet parce que bon, j'ai mon vélo qui est fait pour grimper moins de 7 kg, même moins de 6,5 kg. Donc en somme, ça va être une petite promenade de santé, je pense. Mais Florian n'est pas prêt. Alors moi j'ai choisi le vélo le plus approprié pour la montagne, ni plus ni moins le plus léger du marché, hein, le Canyon Ultimate CFR, qui fait moins de 6,5 kg. Seul problème, et j'y ai pas pensé tout de suite, c'est le développement. Je suis parti un peu à l'aventure et avec un 39-28 en plus petit braquet. Bon poulet, je lance l'itinéraire, même si a priori ça va être facile à suivre. Pas compliqué, hein. Mais start, gamin. Et on est parti du coup. Force et honneur, gazier. Nous voilà partis pour la grande aventure. Hein. De toute façon, on savait qu'on avait une très bonne assistance. Au moins, c'était sec parce qu'ils annonçaient un temps vraiment catastrophique. Et au final, au moins sur le départ, pendant au moins 10 km, on a eu une route sèche et pas de pluie. Donc ça nous a permis de commencer la journée sur un bon tempo avec Florian. Je suis asphyxié, mon pote. On dirait qu'on a une altitude. C'est la chocolatine. Ah ouais. Bon, là, on va arriver dans du qui monte, là, quand même. Ouais. On commence vraiment le col, je crois. C'est ça. Et moi, je suis en 36, mon gars. Je suis pas comme toi. Ah, t'es 36 de haut ? Ouais. Oh, la vache. Ah ouais, mais tu grimpes aux arbres, toi. Ah. Eh ben. Ah, mieux ? La patte à l'air, c'est mieux. Allez, Flo ! Ah, moi, je vais finir à genoux. Oh, putain. Oh ! Chute en direct à l'arrière du peloton. C'est ce qu'on appelle une roue désaxée, mal serrée. C'est reparti, ma Brenda. Et en plus, il va me faire descendre et remonter à chaque fois. Quoi. Alors, j'ai eu peur en temps que ce soit la patte de dérailleur, ce qui aurait été plus fâcheux. Heureusement qu'on a un service course à la pointe. Je suis à haut en cardio, c'est pas bon signe. Je suis à 157, mon gars. Pareil. 155, quoi. Eh ben, on fera les mêmes pulses. On aura un cœur pour deux. Exactement. Partage tout, moi. Là, il y avait marqué Roland. Fais-nous une attaque de Pierre Roland. Ah non, je suis trop fin. Attends, faut que je mette la plaque. Voilà. Attaque de Pierre Roland. Bouche fermée. Là, oui. Là, c'est du Pierrot, là. Alors que nous en sommes au 13e kilomètre de l'ascension du Mont Ventoux, en compagnie de Florian Chabal. On vient tout juste de passer une heure d'ascension. Florian Chabal, champion du monde de rugby. Le rappelons qui s'est mis à la discipline du cyclisme. Alors Florian, quelles sont tes impressions sur cette montée du Mont Ventoux ? Eh bien écoute, comme disent nos amis anglais, so far so good.
Mais ici on est en France donc on parle français. Donc je suis à bloc, ok. Donc la traduction c'est j'ai déjà mal aux jambes. Cette ambiance de monter dans les nuages où on arrivait, c'était vraiment mystique. On est dans la forêt, on ne voit pas à 50 mètres. J'ai un petit poussin jaune à côté de moi qui me dit n'importe quoi tout le long. Enfin, c'était assez particulier. On s'est retrouvé un peu dans le Mordor, en fait. Tu vois, c'était un peu le Seigneur des Anneaux, cette montée mystique. On savait que a priori avant 9h il devait pas pleuvoir, donc ça nous a permis de débuter la première ascension au sec. Et très vite on a déchanté en arrivant au chalet Reynard. Arrivé au chalet Reynard, la pluie commence à tomber, ça s'intensifie un peu, il y a un peu de vent, donc il commence à cailler. Traditionnellement c'est là où le vent se lève et en effet il y avait un peu de vent, mais pour le Ventoux, pas tant que ça au départ. Et là, on a commencé à avoir des conditions très très froides, très humides, il a commencé à pleuvoir. Là, il fait un petit peu frais quand même. Là, je remettrais bien les gabas, mais est-ce qu'on l'a? On va laisser à Juliette en vrai. Ouais. Et là, on a eu une stratégie assez différente avec Loïc pour cette première ascension. Moi, j'ai choisi de ralentir brièvement le temps d'enfiler une gaba et de mettre des gants. Loïc, lui, de façon un peu plus à l'ancienne, a réagi en disant « Bon, t'as froid, t'accélères. » Je veux pas te faire péter, Flo, hein, j'accélère parce qu'il fait froid. Hein. Allez, d'accord. Là, Loïc a froid, hein. Ça se sent dans les jambes, il a accéléré. C'est avant d'avoir froid. Je commence à avoir les mains, là. Moi, j'ai préféré accélérer, bête et méchant, et je dis « Écoute, il reste 4 bornes à faire. Je l'ai fait un peu bon tempo, ça va me réchauffer, ça ira, je mettrai les gants là-haut. » On est à 2 bornes. Il n'y a que des cailloux, mais on reste quand même dans cette soupe où on ne voit pas à 50 mètres. Et on ne sait jamais où on en est dans la montée. Alors on regarde le compteur, on voit les kilomètres à peu près, mais on ne voit jamais le bout, quoi. Et avec ces pourcentages qui sont affligeants, qui nous ruinent les pattes du début à la fin, ça peut très vite devenir un gros calvaire et une montée interminable. Un soldat qui a les pieds mouillés, c'est un soldat à moitié mort. Ouais. Vu qu'ils sont pas encore mouillés, on va faire en sorte de pas les mouiller. Là. Je l'ai laissé partir un peu, donc je dois lui concéder 2 minutes au sommet de la première montée, mais que j'ai amplement rattrapé puisque j'ai mis moins de temps à me changer en haut, étant donné que j'avais déjà mis une couche ou deux. Et je suis resté en cuissard court, maillot, manchette, jusqu'au sommet. Allez, on se change. Hop, on s'arrête, on se change. 0 degré, même peut-être un peu moins en ressenti avec le vent. Faut prévenir Florian parce que je sais pas s'il sait que c'est à... Et je suis arrivé là-haut, j'ai été aidé par le motard pour pouvoir m'habiller parce que j'étais bien en galère avec mes doigts un peu tout rigide. Et j'ai fait stratégie sauf qui peut, c'est-à-dire cuissard long par-dessus, coupe chaussures, j'ai rajouté ma veste spéciale hiver Gaba, de chez Castelli, plus un caoué, tour de cou, casquette, enfin voilà, full équipé pour entamer la descente. Viens là. On voit, je te montre la carte. Regarde, ouais. J'ai failli. Okay. Bon, ça c'était fait, au moins une montée. Désolé Flo, mais quand j'ai froid, moi, faut que je pédale sinon je meurs. T'as bien fait, mais je préférais moins finir mon compte. Ouais, il faut faire vite. Florian, lui, est arrivé une ou deux minutes après moi. En même temps, c'est normal parce qu'il avance pas trop dans les montées. Du coup, lui avait déjà une couche, donc était un peu plus réchauffé que moi. Et il a mis un peu moins de temps à se préparer. Et nous voilà repartis pour la descente, qui fut l'une des pires descentes peut-être de nos carrières de cycliste. Là, on voit l'ancien pont, tu vois, il est fait. Alors pour moi, c'est un Grégario jusqu'au bout tout seul. Voilà, c'est beau. On a eu le temps de se refroidir et là ça a été une erreur fatale. C'était très compliqué la descente. Je tremblais, Loïc aussi, je le voyais. Avec la pluie, le vent, la visibilité zéro, des portions de chantier, quelques portions de neige aussi. Hein, il y avait encore quelques coulées de neige sur la route. Descente crispée mon gars, c'est normal. Avec
tes freins de carbone. On est arrivé du coup à Malocène, on a décidé de reprendre l'ascension habillé totalement comme en descente. Histoire de se réchauffer. Et une fois qu'on a commencé à se réchauffer dans la montée, c'est-à-dire on a dû remonter à peu près 2 km, là on s'est arrêté avec notre assistance. On s'est ensuite arrêté pour se changer totalement. C'est comment là-haut ? Il neige. Il neige et en descente, tu prends tout dans le museau. Il y a de la neige sur le bas-côté, un peu même sur la route. On n'a pas rigolé. On n'a pas rigolé, c'est vraiment un sport de con. Mais là, heureusement, en bas, il fait meilleur. On va en profiter pour se remettre un peu au sec. Allez, assez chaud. Oh, des chaussures mouillées. Comment c'est agréable. Ouais, elle va pas être sèche longtemps. Allez Florian, je t'attends là, encore, toujours, sans déconner. Et on est reparti au sec, avec des affaires propres, dans la deuxième ascension de Malocène, dans laquelle on a très vite retrouvé de la pluie aussi. Ça en devient presque agréable de monter. Ouais, c'est grave, presque. Seul avantage, c'est qu'on n'a pas froid en montant. Et encore. T'as eu froid toi tout à l'heure ? Ah oui. Moi aussi. Par contre j'ai déjà les jambes. Il y a des poutres de bois mon gars. Ah voilà ça va. La jambière sèche par-dessus, ça fait du bien. Ouais, moi elle est humide. C'est la même. Ah mais t'avais mis le cuissard par-dessus toi ? Ouais. Ah ouais, forcément. Fallait bien que je rattrape les 2 minutes que tu m'as mis en sommet. On est reparti sur cette ascension qui est vraisemblablement, ouais, qui est quand même similaire à la première dans la difficulté, les pourcentages. Je l'ai trouvé aussi dur, mais on a quand même fait un peu plus de stop que dans la première pour pouvoir justement gérer les questions d'équipement. On vient de passer les 2000 de D+. Ah, c'est tout ? Ouais. Bon, en 47 km, c'est pas mal. Ouais, c'est surtout qu'il en reste 4000. Et dans cette montée, au final, on n'a pas eu vraiment de pluie, si ce n'est dans le dernier kilomètre peut-être avec le vent. Mais on n'a pas eu vraiment de pluie, le temps était plutôt clément, on va dire, hein. Bon, tout est relatif. Donc ça nous a permis de nous remotiver, de nous recentrer sur la suite. Donc on l'a abordé vraiment plein d'entrain, on était physiquement encore dans le match. Donc on s'est dit, bah écoute, ça va passer comme une lettre à la poste. Ah, c'est à ce moment-là que je me dis que ça va être très long. Je finis jamais là. Je vais te montrer pourquoi ça parle plus. Je sais pas si tu vas voir ici. 12%, 11%. L'avantage de la brume comme ça, c'est qu'au moins mon flow, on sait pas où on va. Le problème, c'est qu'on a déjà fait la descente, donc on a quand même une idée. Ah, je sais pas, j'ai les yeux fermés. On va de la descente 5 heures. Un peu plus de 5 heures, allez. Moi, par contre, je vais finir vraiment mal musculairement, je te dis direct. Là, j'ai des tensions de ouf, des demi-crampes. Là, on s'en sentira vraiment bien pour l'instant. Par rapport à ce qu'on aurait pu, oui. Par rapport à ce qu'on a pris, oui. Par rapport au temps habituel à cette saison ici. Ouais, ça fait chier. La semaine dernière, là, t'avais 17 degrés dans la montée. Cuissard court, maillot court, tu te poses pas de questions. Tu mets une veste pour descendre. Terminé. Il nous avait dit que c'était l'autre côté qui était lunaire dans le Ventoux, mais là,
Là, on est sur la lune. Je savais pas qu'il y avait des sapins sur la lune. Là, vous vouliez de l'épic, il y a de l'épic. Hein. J'espère que vous aimez la souffrance avec de la neige, de la brume. Et 10% au compteur. Alors qu'on s'enfonce dans les profondeurs des ténèbres. Donc on s'est arrêté à 5 km du sommet, à même 4 km du sommet, pour pouvoir se rhabiller en conditions descente, histoire de se réchauffer sur le reste de la montée et perdre le moins de temps possible pour, au sommet pour redescendre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a toujours une préférence? Il y a toujours un qui est traité en premier. Hein? Et moi, j'attends quoi. Allez, il y a là. Tu mets pas les gants, Lolo? Tu les mets après? Non, je les mets après, moi, les gants. Attends, j'ai pas de bidon, moi. Garde-les, Loïc, t'as pas les bons, là. Loïc, hein? T'as pas les bons? Non, j'ai pris les autres, ceux-là, ils sont mouillés encore. Laisse-les sécher pour l'autre descente. Et ça a été une bonne stratégie parce que du coup, on a commencé à se réchauffer dans les différentes couches qu'on avait sur les deux derniers kilomètres de l'ascension. Et de deux. Et on n'a plus qu'à mettre un kawé en haut. Donc là, au moins, ça nous a permis d'arriver en ayant chaud, d'enfiler juste un kawé et d'entamer la descente vers Salt, qui fut au final la moins galère. Même si, à partir du sommet, on a eu la pluie et elle ne nous a plus quittés jusqu'à la fin du défi. Donc après, psychologiquement, il a fallu vivre avec ça. Donc là, déjà, on fait notre descente vers Salt où la pluie ne cesse. Donc tout le long, on se rince. On prend des averses dignes d'un mois de février au Pays Basque. On ramasse, terrible. Arrivé en bas, petite brise, donc pluie qui se calme. Et là, Florian m'annonce qu'il faut quand même passer dans Salt. Il faut savoir que Salt, c'est un village qui est en haut d'une côte d'un kilomètre. Quand tu viens de te taper déjà deux fois le Mont Ventoux, tu vois une bosse d'un kilomètre et tu sais que tu as encore le Mont Ventoux à remonter, pas cool quoi. Donc Florian, je l'ai un peu détesté sur le coup, mais bon, c'est le challenge. Donc on l'a fait, on a monté. On avait fait le choix de se garder la plus facile entre guillemets pour la fin et ça c'était un choix stratégique important parce que c'est vrai que les pentes sont plus douces, du coup ça nous a permis de moins forcer entre guillemets. Ça a été long psychologiquement parce que on n'avait pas l'impression qu'on se rapprochait trop du sommet. À chaque fois il restait encore 20 km, 18, 15. On prenait vraiment des rafales de pluie. Cette dernière ascension qui était la plus simple logiquement mais la plus longue de ces trois ascensions parce qu'on a quand même 26 km de montée. Donc au final la distance est passée très bien parce que c'était vraiment pas des forts pourcentages, seulement le temps on a eu le même que dans la descente quoi. On a pris des sauts sur la tronche du début à la fin. On a ramassé. Et quand on arrive au chalet Reynard et que là, on sait qu'il nous reste encore 5 bornes pour monter jusqu'au sommet, là, je pense que la pluie, le climat a eu raison de notre mental. Jusqu'au moment où là, j'ai senti que Loïc, dans la troisième montée, il en avait plein les pattes, comme on dit. Elle est pétée, la caméra. On l'a fait, on s'est attendu, on a été solidaires l'un envers l'autre. Là, on s'est entraîné, on s'est attendu, on a gardé le même rythme ensemble, on a affronté le vent qui nous fouettait au visage avec cette pluie fine et encore le froid. Quand tu arrives au sommet, tu penses à ta femme, à tes gosses, tu dis que tu l'as fait, c'était beau, t'en as chié, mais putain, qu'est-ce que c'était bon, quoi. Non, je déconne. En vrai, on est arrivé en haut, on était en PLS complet, on avait dit, écoute, là, on skype, on n'en peut plus. Enfile juste une veste. On n'a pas eu trop le temps au dernier sommet de se rendre compte parce qu'on était juste pressé de repartir. Fort de notre bonne expérience de la deuxième descente, on a dit tant qu'on est chaud, il faut vraiment repartir le plus vite possible dans la descente.
Et là, ça a été sauf qui peut, quoi. La dernière descente, peu de visibilité, les mains sur les freins en permanence. Là, pour le coup, je regrettais de ne pas avoir mes disques, mais bon, on s'en est bien sorti. Dans cette atmosphère vraiment presque oppressante où tu avances dans les nuages, il n'y a rien d'autre. Et là, tu suis encore une fois mon petit poussin jaune là devant dans la descente. Mais on l'a fait, écoute, on l'a fait. Et cette descente, elle est quand même pas trop mal passée, contrairement à ce qu'on a vécu sur le début. Déjà en temps normal c'est les pics, mais là aujourd'hui on a tout eu. Et là c'est les crampes qui arrivent. J'ai faim. Attends, j'ai froid. Ah non mais on parle pas. Je ne sens plus mon corps. Malgré mes années pro derrière moi, je pense que ça a été une des ascensions, une des journées les plus difficiles que j'ai eu à vivre sur un vélo. Alors heureusement, c'était en bonne compagnie avec mon fidèle acolyte Florian. On a pu rigoler tout le long, on a pu discuter tout le long. Donc vraiment, ça, je pense que c'est un soutien psychologique énorme. 6h59, presque 4005 de dénivelé positif pour 135 km. On aurait pu arrondir à 4005 quand même. Ouais. On aurait pu. Ça n'a pas été très bon sur ce coup-là. On aurait pu. La prochaine fois ? Ça te va ? Non, pas la prochaine fois parce qu'il n'y aura pas de prochaine fois, tout simplement. On partage beaucoup de choses au quotidien. On travaille beaucoup pour vous faire du contenu sympa. On rigole beaucoup au quotidien. Mais du coup, ça a été une expérience forte à partager ensemble. Et voilà. Et je suis content de l'avoir fait avec lui parce que tout seul, je pense que ça aurait été impossible. Allez, je pense qu'on a mérité notre petite douche là. Grosse douche. Et surtout, des bons gros burgers. Je valide. C'est pas la peine de sortir des lunettes de soleil ni quoi que ce soit, on va mettre un masque directement. Parce que ça va être aquatique. Putain, c'est beau là, y'a pas de casse-couille. Nickel. Si, j'en vois un moi. Présent. Tout est en règle, bienvenue au club des cinglés de Porto. Merci beaucoup. Hein, pas une petite larme, t'as pas une On est un peu fiers quand même, si, on est un peu fiers.